Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas dans les vidéos d'analyse objective. À faire 100 000 euros, Koffi Olomide, nous avons également à faire Fally Ipupa, lui-même la personne, également la nouvelle copine de Fally Ipupa qu'on appelle Grace Temo. Avant que je continue dans la vidéo ici, Nana Ketchup là où tu es, je sais que ton cœur saigne. Tu n'as pas Jusque-là, tu n'acceptes pas que Fally Ipupa peut avoir d'autres copines. Ma chère, je vais, avant d'entrer dans la vidéo ici, ma chère, je vais te dire ceci. Depuis que Fally a perdu Nicki Minaj à Barcelone, Fally n'a jamais été stable dans quelconque relation amoureuse. Fally a toujours cherché une femme qui va combler le vide de l'amour que Nicki Minaj a laissé dans son cœur. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est impossible. Donc, si Fally Ipupa se donne l'audace de sortir avec Grace Temo, ma chère Nana Ketchup, là où tu es, il faut, je comprends ton émotion, mais il faut supporter. Parce que c'est Fally. Il a perdu son vrai amour, Nicki Minaj. Ça, c'est selon moi. À faire 100 000, Bandekonanga, tout, vous qui allez prendre du temps à écouter la vidéo ici, ce que vous appelez la vidéo, mettez les j'aime, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez si vous avez des commentaires. Koffi Olomide, d'abord, avant que je cite son nom, je vais appeler d'abord à la communauté congolaise au respect à notre légende. Un petit respect vous fera du bien. Beaucoup de petites filles ici, comme nous voyons sur les réseaux sociaux, juste à cause des caméras, soit des petites sommes qu'on leur avoue, elles sont prêtes à dénigrer notre légende. En Côte d'Ivoire, au Côte d'Ivoire, il y a Alpha Blondy. En aucun cas, vous allez écouter une personne en train de s'acharner contre Alpha Blondy. Au Sénégal, Youssou N'Dour, c'était monsieur le plus parmi les personnes les plus respectuées. Vous allez au Mali, Salif Keïta, même chose. Ces gens-là aussi ont des côtés négatifs. Mais les gens ne voient pas les côtés négatifs parce que Soler, c'est papa. Pour eux, Youssou N'Dour, c'était papa. Pour les Maliens, Salif Keïta, c'était papa. Ce sont des personnes qui ont pris le temps de faire honorer leur pays à l'extérieur. Les gens sont reconnaissants et puis basta qu'on paye sa bango, respect à leur niveau. Au Congo, comme la guerre a embrayé le cerveau de beaucoup de personnes, je peux vous parier que sur les réseaux sociaux, 90% des gens qui font des YouTube, ce sont des maladies mentales. Ils sont au moment où ils font des vidéos, c'est leur thérapie. Pour moi, c'est une thérapie. Parce que ce n'est pas possible de voir toutes ces mamans-là. Beaucoup de femmes insensées au vrai sens du mot, en train d'insulter une personne comme Koffi Olomide, une légende. Une personne qui a si donné le meilleur de lui-même, juste pour promouvoir la musique congolaise, sur l'échiquier international. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'au-delà à inciter la maman, paix à son âme là où elle est. La dame qui nous a donné une légende, pas n'importe quelle personne. Koffi Olomide n'est pas n'importe qui, que ce soit au Congo, soit à l'extérieur du pays. Botala, regardez-vous même la façon dont Tonakef Koffi Olomide à l'étranger, au Sénégal, au Lavi. En Côte d'Ivoire, on le voit chaque jour. C'est une personnalité vraiment exceptionnelle. Moi, il y a des fois, je me demande comment des personnes que Fally Ipupa lui-même voit en train d'insulter, soit de dénigrer le savoir-faire de Koffi Olomide. Même si les gens que vous appelez les intelligents, soit des intellos, un monsieur comme Frank, soit Thierry Mombaya, combien de fois il est en train de montrer au monde que Fally, il est meilleur plus que Koffi Olomide. L'homme qui a donné à Fally Ipupa la valeur, qui connaissait Fally, bien que Fally soit disant il chantait quelque part, qui connaissait Fally, il a fallu que Fally entre dans la vie
de l'entreprise de Kofi Olomide. Pas dans la vie de Kofi Olomide, mais dans l'entreprise de Kofi Olomide. Comme travailleur, Kofi lui a donné de la chance. Vous les petits là, vous ne comprenez pas. Pour que Fally soit celui qui est Fally aujourd'hui, il a fallu qu'il puisse passer par quartier latin. Apprendre comment on chante, comment on s'organise, comment on prépare les affaires. Il est passé par cette école-là. Kofi Olomide lui a ouvert les mains, lui a donné de la chance. Il l'a amené à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, c'est Kofi Olomide qui est jaloux. Il veut piéger Fally avec quoi? Parlons maintenant de 100 000 $, 100 000 € qui se répandent sur les réseaux sociaux comme si. Donc, moi, je vais vous parler, je vais vous dire des réalités dans la vidéo ici. Restez connectés. Kofi Olomide a acheté une maison, ça fait pas longtemps, 5 millions $ aux États-Unis. À partir de la maison là, nous avions vu les attaques, écouté les attaques de la part de la famille de l'ex-femme de Kofi Olomide qu'on appelle Aliya. Il y a des cousins, c'est pas des familiers qui sont venus pour demander de l'argent à Kofi Olomide, juste comme ça, parce que Kofi Olomide s'est tapé une maison de 5 millions. Ils ont créé des polémiques, des plaintes, juste pour soutirer de l'argent à Kofi Olomide. Mais comme Kofi Olomide ne répond pas, il est habitué, c'est le véritable mur de lamentation. Les gens se jettent sur Kofi Olomide jour et nuit, juste pour attirer l'attention. Mais rien. Aujourd'hui, on a affaire de 100 000 $. Comme je retourne maintenant sur l'affaire de Nana Ketchup, pourquoi j'ai mis le nom de Nana Ketchup et Nicki Minaj dans l'affaire ici. Je vous dis d'abord bonjour partout où vous soyez, que ce soit Nicki Minaj et Nana Ketchup, je vous salue tous. Fally, selon les réseaux sociaux, selon, il paraîtrait que Fally, il sort avec Grace Temu. La femme là même est là. Moi, oh, les vérités blessent, mais ça guérit quand même. Il faut que je vous dise les vérités. La femme là, elle a utilisé une manière adulte pour expliquer aux gens sa relation amoureuse avec Nana Ketchup. Et les gens de bureau de Fally Ipupa ont compris que la façon dont la femme là a parlé, ça risque de créer des relations entre la relation amoureuse entre Nana Ketchup et Fally. Alors, le bureau de Fally est sorti, commencé à attaquer pour créer des désordres, juste pour protéger la copine de Fally Ipupa, Nana Ketchup. Au moment où je fais la vidéo, Fally, c'est comme s'il sortait déjà, il sort jusqu'aujourd'hui avec Grace Temu. Maintenant, comme la réalité sera toujours réalité, la vérité finira toujours par paraître. À chaque fois que Fally est toujours en Europe, vous savez qu'il ne dort pas chez lui. Il a toujours été dans les hôtels. Fally n'a jamais été avec Nana Ketchup. C'est pour cela que j'ai dit, Nana Ketchup, tu dois apprendre à supporter les réalités. Si la place que Nicki Minaj occupait dans le cœur de Fally, jusqu'aujourd'hui, Fally n'est pas capable de trouver la véritable remplaçant de Nicki Minaj. C'est pour cela que Fally Ipupa, selon moi maintenant, il est en train de juger partout là, parce qu'il n'est pas stable. Le véritable amour l'a déjà quitté. Maintenant, lui n'a pas amour là. Il mange ici, il prend là-bas, il retire ici. Donc, c'est mélangé. Alors, selon moi, c'est comme si, selon tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est comme si maintenant, il y a d'autres femmes, les femmes celles-là, les femmes qui ont cherché aussi à être aux côtés de Fally Ipupa. Ils sont là. Il y a une dame qui a été journaliste il y a longtemps au Congo, elle s'appelle Ariette Kajinga. Elle aussi, elle a ouvert ses pieds partout. Selon ce qu'on écoute, elle a déjà fait avortement, enfin, elle cherche Kofi. Kofi n'a pas voulu, ne l'aime pas. C'est comme ce qu'on écoute. Maintenant, il y a également des filles, d'autres filles aussi, tout à cité, je sais pas, des petites filles là qui n'ont même pas de sens et de valeur, je sais pas, Joël, une des filles qui ont des barbes, des petites tailles là,
Il y a un fait qui est cité sur les réseaux sociaux tout le temps. Maintenant, comme tous ces gens-là, toutes ces femmes-là veulent protéger Nana Ketchup, toutes ces femmes-là se versent sur Grâce et Thème pour insulter Grâce et Thème, Grâce et Thème. Alors, Grâce et Thème également a compris que les nouvelles sont déjà sorties. Maintenant, tout le monde sait. Alors, pour couvrir, elle est venue pour démentir. Malheureusement, la façon dont elle a démenti, elle a jeté encore le pétrole sur le feu. C'est là où tout est gâté. Maintenant, comme l'empire du mal, le démon est en marche, toutes les personnes qui sont autour de Fally Ipupa, à l'occurrence de M. Eddy Badiata, qui a écrit sur son compte des conneries, un monsieur qui a plus de 50 ans, qui fait des conneries juste pour faire plaisir à Fally, pendant que lui-même il sait que Grâce et Thème, elle se couche déjà avec Fally Ipupa. Maintenant, ils vont faire comme si c'est elle la démon, c'est elle la mauvaise personne. Mes chers amis, moi je ne blague pas avec, je ne blague pas. Quand je parle, je parle. Affaire 100 000, est-ce que vous pensez que quand vous dites que oh, Fally veut m'attaquer, Fally est en train de m'attaquer, il est dans mon réseau. Au nom de Jésus, Fally, tu ne veux pas venir, tu ne veux pas me réussir. Moi, je suis autre personne. Mon sang là, ce n'est pas salé, ce n'est pas sucré, c'est différent. Un sang amer. Donc, alors, on continue. Quand vous dites que Kofi Olomide, avec les 100 000 dollars, il veut utiliser Grâce et Thème pour attaquer Fally. Est-ce que pour attaquer Fally, il faut vraiment l'argent? Tous ces deux-là sont des musiciens. Ils fréquentent les mêmes coins, les mêmes personnes. Les personnes que Fally chante, les personnes que Kofi chante sont des mêmes personnes. Est-ce que Kofi a besoin de dépasser 100 000 euros pour attaquer Fally? Encore, est-ce que vraiment si Kofi Olomide a besoin d'attaquer Fally, il va passer par Grâce et Thème? Il va passer par Grâce et Thème. Lui, selon ce qu'on entend, il sortait avec même peut-être Nana Ketchup, ce que les gens disent. Il sortait aussi avec Nana Bouduga, comme les gens disent. Est-ce que Eddy Badiata, tous ces sont déjà de Kofi Olomide, B50 sont les gens de Kofi Olomide. Kofi va aller dépasser l'argent juste pour. Il va faire quoi avec Fally? Si Kofi avait besoin de faire du mal à Fally Ipupa, il aurait déjà fait dans les quartiers latins. Si Kofi Olomide avait des plats pour détruire Fally, il aurait détruit il y a longtemps. Mais comme Kofi Olomide c'était formateur, il est encadreur, il est protecteur, il donne la vie, il est créateur. Il nous a donné Fally Ipupa, il nous a donné Soleil Wanga, il nous a donné Sam Chintu, il nous a donné Suzuki, il nous a donné Modogo, il nous a donné qui encore? Il y en a beaucoup, beaucoup, et d'autres personnes que je ne connais même pas. Il nous a donné tous ces gens-là. C'est seulement Fally, que lui, il va attaquer Fally. Pourquoi? Il lui a donné tout. Il lui a donné nourriture. Il lui a donné la place pour dormir. Il a payé un ticket pour aller en Europe. Premier studio de Fally en Europe, c'est Kofi. Maintenant, il va les jalouser de quoi? Lui, il a vu le monde avant lui. Il a chanté avant lui. Il a eu de l'argent avant lui. Il a étudié en Europe. Lui, il n'est pas. Donc, il a tout. Mais, mes chers, un peu de respect à Kofi Olomide. Un peu de respect à Kofi. Kofi, ce n'est pas quelqu'un. Mais tout le monde a géré les choses vraiment. Il y a des gens qui. Ils ont tapé ma boucle de des petites personnes comme ça là. Juste. N'a habité. I don't know. Je ne sais pas. Ça, c'est le Congo. Les personnes qui sont malades, il faut donc tellement ma sassie bêta na Congo, tout le monde est devenu malade. Il n'y a personne pour orienter d'autres. Tout le monde est dans la même vase. Tout le monde dans le même sac. Heureusement, moi je ne suis pas de cela. Je ne fais pas partie de ces des inutiles là. Si vous aimez la vidéo, partagez, commentez. Et mettez les j'aime. Moi, c'est Gilmas, le défenseur de la vérité. À plus.